présente Delphine, qui est directrice innovation. Qui a 35 et 45 ans, je vous dirai pas son âge. Qui est très force de proposition dans son entreprise, qui aime convaincre et motiver ses équipes. Elle essaye un peu de vulgariser sa méthode pour que tout le monde soit apte à la comprendre et que tout le monde puisse vraiment travailler ensemble. Mm-hmm. Elle a un peu un esprit d'entraîneur sportif et de coach, ce qui aide à motiver et à vraiment aller chercher ce qu'elle recherche. Donc ce qu'elle recherche, c'est son niveau, c'est le côté innovation dans l'entreprise. Ses motivations et ses préoccupations, elle fait de la veille permanente, elle est très curieuse, elle veut faire progresser l'entreprise et prouver en fait de son utilité à ses supérieurs. Ouais. Du coup, pourquoi elle ferait appel à Abria? Pour être crédible et pour avoir un œil neuf et extérieur qu'elle n'a pas forcément, parce qu'elle est très tête dans le guidon et elle se pose la question, est-ce qu'elle a vraiment les ressources nécessaires ou pas, et Abria pourrait vraiment lui apporter cette solution. Ouais. Et lui dégager du temps, en fait, peut-être qu'elle va avoir une équipe derrière elle qui va l'aider à travailler, mais eux aussi sont sur d'autres projets, ils n'auraient pas forcément le temps de s'y consacrer. Alors Abria pourrait lui apporter la solution et l'aider sur son projet. Super. Ses freins, ce serait plutôt un peu dans l'ego, la frustration, elle aurait peur qu'on lui pique son boulot, donc en fait Abri, ça voilà, sent le vécu. Elle aurait peur un petit peu du temps que ça peut prendre, du manque de contrôle qu'elle a sur la situation. Mm-hmm. Donc faut surtout pas lui dire qu'on va lui piquer son boulot, et il faut lui expliquer qu'on va travailler ensemble, que Abria est là pour lui apporter de l'aide et pas un savoir qui lui manque, puisque le savoir elle l'a déjà dans son innovation. Ouais. Et donc ce qu'elle va retenir, c'est cette possibilité d'aide, son expertise, qu'elle va gagner du temps, qu'elle aura une approche et un regard extérieur sur son projet. Mmh. Et un soutien des intéressés, et tout ça dans une grosse cohésion qui lui apportait de la réassurance sur son poste. C'est une collaboration saine en fait qui va se dépeindre, et pas uniquement un échange dans un seul sens, quoi. Ok, super. J'ai très envie de travailler avec elle.